Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Quasi FM, le 106.9 pour un temps de parole toujours en direct à la radio et à la télévision. Il est avec nous, il arrive de loin, de très très loin, c'est Olivier Serva, il est député de la Guadeloupe, mais également rapporteur spécialisé, officiel du budget Outre-mer. Il est avec nous, Olivier Serva, bonjour. Bonjour à vous, bonjour à Quasi. Merci, c'est comme ça qu'on dit bonjour du reste, Quasi. Tout à fait. Voilà. Eh bien... Je vous l'ai appris. Absolument. Un bonjour respectueux d'après. Exactement, exactement. Monsieur le député, une mission avec un titre de personne spécialisée sur le budget, c'est quoi votre mission précise ici aujourd'hui? Voilà, effectivement, j'ai au moins trois fonctions. Député de la Guadeloupe, oui. Donc ultramarin. Je suis aussi donc président de la délégation aux Outre-mer à l'Assemblée nationale. C'est cette délégation qui... comprend l'ensemble des 27 députés ultramarins et des 27 députés hexagonaux qui s'intéressent à l'outre-mer. Mais aussi, je suis membre de la commission des finances, il y a des commissions régaliennes, dont la commission des finances, et je suis rapporteur spécial au budget de l'outre-mer, au moins deux fonctions. La première, c'est donner un avis sur tous les amendements présentés par l'ensemble des députés sur le budget des Outre-mer et aussi, finalement, donner un avis sur le budget en lui-même présenté par le gouvernement. Et c'est à ce titre que j'ai décidé de me transporter à Mayotte avec l'administrateur de l'Assemblée nationale qui m'accompagne, oui, pour pouvoir évaluer les politiques publiques, parce que c'est aussi la fonction du député, voter les lois et évaluer les politiques gouvernementales. C'est-à-dire contrôler l'action politique du gouvernement. Exactement. Ouais. C'est bien cela, c'est du fait de la séparation des fonctions entre l'exécutif, ils impulsent, souvent ils font des projets de loi, nous on amende, on vote, donc c'est le pouvoir législatif et puis le pouvoir judiciaire, donc c'est son étroit. Et puis le quatrième pouvoir, le pouvoir médiatique. Ouais. Bon. Et donc notre rôle ici, c'est d'évaluer, notamment à l'issue des événements qui ont eu lieu, qui ont été significatifs à Mayotte l'année dernière. Début 2018, on s'en souvient tous. Exactement. Il y a eu des promesses d'Annick Girardin et de ce gouvernement. Première question, M. Serva, est-ce que ces promesses sont tenues aujourd'hui? Alors, effectivement, il y a eu donc ce plan d'urgence, 1,3 milliard. C'est ça, pas loin. C'est beaucoup d'argent. Et la première bonne nouvelle que je peux constater ici à Mayotte, c'est qu'il n'y a pas de problème d'argent, il n'y a pas de problème budgétaire. L'argent a été attribué, il est là. Par contre... ce que j'ai pu observer d'ores et déjà, c'est que il faut pouvoir mobiliser cet argent, le transformer en projet concret qui se voit sur le territoire. Et vous nous dites que l'argent est là, mais qu'il n'est pas dépensé parce qu'on n'a pas amené de projet. C'est ça en gros? C'est pas tout à fait ça, c'est-à-dire que l'argent n'est pas assez dépensé parce qu'aujourd'hui, il y a un problème, c'est que pour le dépenser, il faut de l'ingénierie. Des personnes, que ce soit au niveau de l'État, le reconnaissent volontiers, il manque une dizaine de personnes, que ce soit au niveau des collectivités territoriales, le département, ces compétences qui permettraient de pouvoir faire naître les projets, mobiliser les fonds européens, eh bien, on le voit par exemple avec le syndicat des eaux, où il y a à peu près 140 millions d'euros disponibles, mais rien n'a encore été suffisamment fait parce que il y a quelques freins administratifs et ici. C'est quoi? C'est parce qu'on n'est pas capable de monter les dossiers? On n'a pas la compétence pour monter les dossiers? Les dossiers sont trop compliqués? Parce que c'est quand même un domaine que l'on découvre, nous, ici à Mayotte. On n'est pas des Réunionnais qui font ça depuis des dizaines d'années. On découvre tout ça. Vous avez dit la chose qu'il fallait dire. Effectivement, vous êtes en départementalisation depuis quelques années. Oui. On vous demande ici à Mayotte de rattraper et de faire aussi vite que ceux qui ont pris 50 ans, comme la Guadeloupe, à le faire. Donc c'est normal que les systèmes étatiques, les compétences étatiques, les compétences territoriales puissent être un petit peu à la traîne. Mais par contre, il faudrait assez rapidement les mettre en œuvre parce que sinon, ce sera un budget théorique mais qui ne sera pas utilisé concrètement. Mais, M. Serva, est-ce qu'on ne marche pas un peu sur la tête tout de même? Puisque on nous dit, ok, il y a ces 1,3 milliard, ils ne sont pas encore dépensés dans la totalité et correctement, en tout cas pas à la hauteur de ce qu'on pourrait imaginer, et on connaît la cause, c'est qu'on n'est pas assez compétent pour monter ces dossiers. Et si vous ne les utilisez pas, vous ne les aurez plus. Est-ce qu'on ne peut pas trouver une autre solution, nous aider à monter ces dossiers, nous aider à travailler sur ces projets, nous aider à rentrer de plein pied dans la RUP? Oui, oui, c'est en cours. Hein. D'accord. Il y a une plateforme prévue, je dirais, administration, qui permettra de pouvoir
mieux accompagner les différentes collectivités pour monter les projets. Il y a quelque chose qui fonctionne bien, c'est avec la CIM, oui. Où là, la LBU, la ligne budgétaire unique, pour construire des logements sociaux, a été dotée d'à peu près 10 millions supplémentaires, 6 millions pour la CIM, et ça permettra quoi ? Que l'on passe d'à peu près un potentiel de 300 logements par an à 450 logements par an dès la fin de cette année. Donc là, il y a des éléments où le plan d'urgence a des effets concrets. Et une question, après on a la parole à Samuel, mais juste une question qui est arrivée sur les réseaux sociaux. On nous pose une question très simple sur ces 1,3 milliard prévus pour Mayotte. Combien ont été, d'une part, engagés et d'autre part, dépensés ? Est-ce qu'on peut avoir des chiffres ? Alors aujourd'hui, les chiffres sont en cours de finalisation. Je ne les ai pas encore eus totalement. C'est les grosses masses. Dans les grosses masses, on est en retard. Ouais. Dans les grosses masses, ouais. On n'a pas encore consommé suffisamment. Mmh. Et c'est pour cela que les services de l'État et des communautés telles que le département, même les communes, une bonne nouvelle chez vous. Contrairement à d'autres départements, les communes sont très peu endettées et dégagent une capacité d'épargne brute. Ça, c'est... Donc, je veux dire que les conditions budgétaires sont là pour pouvoir réaliser les choses. Maintenant, il faut muscler l'équipe d'ingénierie ici. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser, monsieur le député. Oui, monsieur le député, vous avez évoqué tout à l'heure la vague de colère et d'impatience qui a secoué Mayotte, bousculé Mayotte en début d'année 2018. Vous avez rencontré Estelle Youssoufa, la porte-parole du collectif des citoyens de Mayotte, la veille de votre départ, si je ne me trompe pas. Elle a évoqué le fait qu'on peut dépenser beaucoup d'argent, mais qu'avant, ce n'est peut-être pas la priorité, les Mahorais le disent. Pourquoi construire des écoles tous les jours et pendant des années dépenser des millions alors que... Le principal problème, c'est l'immigration clandestine. On sera condamné à construire et à investir tant qu'il y aura l'immigration clandestine. Quel est votre sentiment par rapport à ce que vous avez pu voir ? Oui, c'est une question fondamentale que vous évoquez là. Oui, lorsqu'un rapporteur spécial au budget se déplace sur un territoire, il rencontre l'ensemble des forces, qu'elles soient politiques, qu'elles soient économiques, qu'elles soient citoyennes. Et on ne peut pas nier que l'ensemble des mouvements a joué un rôle significatif dans la cristallisation de la crise. D'ailleurs, je travaille, je dois le dire, en étroite collaboration, bonne intelligence avec les parlementaires, Mahorais, Tani, Ramlati et les autres, parce que nous sommes sur la même longueur d'onde. L'immigration. À mon avis, il n'y a pas qu'une seule façon de résoudre la problématique. Il y en a au moins trois. La première, et vous l'avez dit, à un moment donné, il faut stabiliser le flux migratoire clandestin. C'est-à-dire maîtriser nos frontières. Plus. Ouais. Plus fort. C'est une mission régalienne. Hein. Absolument. D'ailleurs, je crois que tout le monde est d'accord sur cela, y compris les services de l'État. Mmh. Il faut renforcer les navettes d'interception. Il faut renforcer, je dirais, parce qu'une navette, il faut qu'on ait bien ça en tête, c'est 20 personnes. Parce que ce n'est pas juste la navette. Mmh. Si elle doit tourner sur l'ensemble des frontières, c'est 20 personnes. Mmh. Il faudra renforcer cela. Il y a déjà eu des efforts qui ont été faits. On a pu le constater. Absolument. Sur le terrain, enfin sur le lagon, on a pu le constater. Il en faut d'autres. Oui, il en faut. Plus loin. Oui, tout à fait. Il en faut entre, très clairement, c'est le Pacha qui le dit, celui qui est responsable des surveillances maritimes, entre 3 et 9 supplémentaires pour pouvoir stopper ce flux migratoire rentrant clandestin. Je dis bien que par navette, ça fait 20 hommes. Donc si on en met 10, ça fait 200 hommes. Mmh. Bon. Mais il faut bien se donner les moyens. Il y a des exemples aussi tels que l'Australie. Pourquoi pas réfléchir à des adaptations législatives pour pouvoir intercepter le plus loin possible en mer les quassas clandestins. Ben, donc, le principe de l'Australie, c'est intercepter loin. Mmh. Mais ils ne rentrent pas en Australie. Ils vont sur une île à part. C'est Cayenne, quoi. Là, c'est comment on appelle ça ? C'est l'île. Ah, j'ai mangé le nom. Où il y avait à l'époque les prisonniers avec les boulets, etc., etc. Quoi. On écarte carrément les personnes de la civilisation. C'est pour ça qu'il faut se poser la question d'éventuellement une adaptation législative, ouais, d'une expérimentation à Mayotte. Difficile à imaginer en France, ça, parce qu'on est en France. Nous sommes en France, ouais. Absolument. D'ailleurs, vous me donnez l'occasion de remarquer quelque chose, c'est que Mayotte est viscéralement française. Et ça, on le ressent très bien. Donc, lutter contre l'immigration en mer, renforcer les moyens, il faut le faire, à mon avis. Vous faisiez référence à, une fois que ces bateaux étaient interceptés, que faisons-nous ? Eh bien, il faut renforcer la coopération avec finalement les Comores et puis les
les îles autour et peut-être même la côte africaine. Alors, ça veut dire que là, nous parlons d'État à État. Il faut une volonté mutuelle et réciproque et pour pouvoir coopérer. J'étais avec l'Agence française de développement. Il y a un fonds et il ne faudrait pas opposer les fonds. Comme je vous le disais, il n'y a pas de problème d'argent en tant que tel. Sur le fonds des affaires étrangères, donc il n'a rien à voir avec le fonds du ministère des Outre-mer qui concerne le développement purement de Mayotte, sur le fonds des affaires étrangères, il y a à peu près 150 millions pour pouvoir développer les Comores. Mais encore faudrait-il que nos pays voisins et amis veuillent bien le veuillent. Ça, c'est une problématique. Et surtout, en cas de reconduite à la frontière, il faut qu'il y ait aussi une coopération pour... Oui, mais s'ils veulent pas, ce qui a été le cas jusqu'à maintenant, monsieur le député, qu'est-ce qu'on fait? C'est une vraie problématique. Eh oui, on est dans un cul-de-sac. Là, c'est une vraie problématique, indéniablement. Ouais. Et puis, il y a une troisième façon de lutter contre l'immigration. C'est ici, à Mayotte, à terre. Puisque je ne suis pas maorais, je prendrai l'exemple des Guadeloupéens, hein, comme ça, je suis à peu près sûr de ne pas me tromper. Vous savez, on subit aussi, à un bien moindre niveau, les problématiques d'immigration avec des populations d'origine haïtienne. Et il y a chez nous, je parle bien de la Guadeloupe, je le sais, moi, pour l'avoir même vécu, pratiqué à l'époque, on a tous une connaissance... haïtienne ou autre qui nous rend des services, etc. Et donc, si on veut juguler l'immigration, il faut aussi que chacun puisse se responsabiliser sur place pour pouvoir aussi accompagner l'effort, je dirais, des pouvoirs publics, parce que sinon, on n'y arrivera pas. Samuel, je vous en prie. Je reste sur le volet migratoire. Il y a une disposition législative à Mayotte qui est un petit peu particulière, spécifique. Un titre de séjour attribué à un étranger sur le territoire ne vaut que pour Mayotte. C'est-à-dire que Mayotte se transforme chaque jour en immense sangatte, en immense camp pour étrangers. On ne peut pas ressortir étrangers. De Mayotte. Ne peut-on pas imaginer une extension du titre de séjour à l'ensemble du territoire français? Oui, c'est une question qui est posée par beaucoup, où finalement on a l'impression de bloquer l'immigration ici et elle ne peut pas ensuite s'exprimer vers la Réunion et vers l'Hexagone. Je crois que... tout est sur la table. Et ce sont des questions délicates qu'on ne peut pas trancher d'un coup de revers de main. Mais ce que je comprends, c'est que la question est posée avec insistance par certains. Oui, vous avez reçu le collectif des citoyens maorais. Tous les collectifs qui ont bien voulu répondre à mon invitation, je les ai reçus parce que, vous savez, ce sont des habitants de Mayotte. Hein. Ouais. Ils ont aussi une partie de vérité, chacun une partie de vérité. Je crois que c'est ensemble qu'on dégage une cohérence. Ouais. Et donc, notamment les élus aussi, ils ont leur rôle à jouer, je le disais. Et donc, la question est sur la table. Et la question de la volonté de traiter, j'allais dire, stabiliser l'immigration est une vraie question. Je note, malgré tout, ça c'est peut-être dit, que le solde migratoire à Mayotte pour les Maorais est négatif, c'est-à-dire qu'il y a plus de Maorais qui partent que de ceux qui reviennent. C'est notre cas aussi en Guadeloupe. Hein. Donc ça veut dire que, attention, vous avez une démographie importante par rapport à l'immigration et aussi clandestine qui arrive, mais vous avez aussi des Maorais qui partent plus qu'ils ne reviennent ou qu'ils ne restent. Vous voyez ce que ça peut donner comme conséquence? Une île mahoraise, donc française, avec une population majoritairement étrangère. Je vois ce que ça peut donner comme conséquence. La dégradation des conditions de vie qui font que nous partons massivement de Mayotte ces dernières années, véritablement. Oui, eh bien parce que, comme chez nous aussi en Guadeloupe, les possibilités pour des Maorais qui sont partis se former, qui ont un niveau important parfois, pour retourner, ils ne trouvent pas chaussures à leurs pieds. Mmh. J'ai rencontré quelques jeunes courageux qui veulent investir dans leur pays et qui sont retournés. J'ai rencontré aussi des personnes extrêmement investies à la CCI, avec le département, avec les services de l'État, pour pouvoir organiser le développement économique. Ils m'ont même donné des idées. Je suis conseiller régional en charge du développement économique. J'ai reçu, trouvé des idées très intéressantes que je voudrais bien mettre en place. J'ai d'ores et déjà mis en relation les deux administratifs. Donc il y a de belles choses qui se font, mais l'argent est là. L'ingénierie doit être renforcée, l'immigration doit être stabilisée et la coopération développée. Alors justement, revenons sur ce 1,3 milliard. La question revient beaucoup là actuellement.
vu qu'on a du mal à dépenser ce 1,3 milliard, est-ce qu'on ne peut pas réorienter un tout petit peu les lignes et faire en sorte que le privé puisse investir avec aussi une partie de cet argent-là pour pouvoir générer du produit, générer de la richesse? Parce qu'on le sait, seules les entreprises privées produisent. Et on a besoin de produire et donc de créer de l'emploi. Ah oui, nécessairement, de toute façon, les 1,3 milliard seront consommés par qui? Seront mis en musique par les services d'ingénierie dont on parlait tout à l'heure, étatiques et aussi des collectivités locales. Oui, mais c'est là où le bât blesse, parce que ça met du temps, on le voit bien. Le résultat, il est là, que ce soit l'État ou les collectivités ont du mal à monter les dossiers et aller au bout. Peut-être qu'avec, en orientant à nouveau sur des projets 100% privé, peut-être que c'est jouable. Mais je crois que l'un n'exclut pas l'autre. Hein. D'accord. Quand je discutais avec le directeur de l'AFD hier, il m'expliquait que pour renforcer l'ingénierie, il fait appel à des entités purement privées ici. Et d'ailleurs, il remarquait, parce qu'il a une expérience ultramarine à l'extérieur, qu'il y a une ingénierie privée très compétente ici. Donc ça veut dire que, oui, rien ne se fera, on est d'accord, sans les entreprises. Je suis expert comptable de formation, donc je suis extrêmement sensible au fait que c'est le privé qui crée de la richesse et que les pouvoirs publics ne sont que des fonctions support pour faciliter ce développement-là. Mmh. Mais moi, j'ai confiance. Hein. Mmh. Je crois qu'il y a eu un temps nécessaire pour toutes ces différentes 53 mesures, ces 110 propositions, pour pouvoir... Il y a eu un temps de réflexion. Elles ont été stabilisées. Maintenant, il faut les mettre en œuvre. Je crois qu'il y a une volonté ferme à tous les niveaux de faire cela. Ça prend souvent un peu trop de temps. Monsieur Servat, dernière question. Vous allez repartir dans peu de temps sur la capitale, notamment sur Paris. Vous allez repartir avec quel sentiment de Mayotte? De ce que vous avez vu, les gens que vous avez entendus, les messages que vous avez perçus, qui sont peut-être pas forcément les mêmes messages qui ont été exprimés. La perception est une chose. Vous allez repartir avec quel type de vision de Mayotte? Eh bien, moi, je repartirai, et je le dirai, avec le sentiment de grands espoirs. Pourquoi? Vous êtes optimiste? Non, mais j'essaie d'être réaliste. Hein. Oui. Pourquoi? Un, je le répète, l'argent est là. C'est pas... C'est déjà une chose. Ah ben, c'est pas tout le temps le cas, hein, dans l'Hexagone. L'argent est là. Deux, les entités, les structures ici, locales, ne sont pas endettées. Elles dégagent une épargne brute. Troisièmement, il y a une volonté étatique de pouvoir faire les choses et surtout, l'État est conscient de ses insuffisances et il veut les combler. Donc, ça veut dire qu'une fois qu'on a stabilisé l'immigration, une fois qu'on a mis l'ingénierie, une fois qu'on a développé les potentialités chez vous, c'est quoi? C'est le tourisme, c'est la pêche, par exemple. Eh bien, je crois que Mayotte va continuer à se développer et beaucoup plus rapidement que beaucoup d'autres départements français. Olivier Servat, merci beaucoup d'être revenu sur ce plateau et d'avoir répondu à nos questions. Vous l'avez compris? Allez, en avant Mayotte et au boulot. Il faut qu'on se remette au travail, c'est sûr. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.